Régine, parlons maintenant de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Gérard Depardieu. Oui. A priori, un très grand comédien français. On va se rappeler des rôles mythiques qu'il a joués dans le cinéma français, mais qui est maintenant accusé deux fois plutôt qu'une de viol, d'agression sexuelle. Et là, qui a été filmé dans un documentaire tourné en Corée du Nord, juste là, où on le voit tenir des propos. On va voir un petit échantillon. C'est pas les pires moments, mais un petit échantillon des propos dégradants à l'égard notamment des femmes. Oui. Yeah. Là-bas, oui, je sais, j'ai vu, c'est comme ma bite, bien sûr. J'ai une poutre dans le caleçon. Mais, vas-y, prends la photo pendant que je touche le cul. Sa petite moule qui doit être bien, bien touffue, bien poilue. Elle sent déjà la jument. Et ça continue, là, notamment, il réfère à une jeune fille de 11 ans à un certain moment. Régine, Depardieu, en 2002, a été décoré de l'Ordre national du Québec, à l'Assemblée nationale du Québec. Ouais. La question se pose, doit-on carrément, compte tenu de ses comportements répétés, doit-on lui retirer cet honneur-là? Moi, Paul, tu vas me permettre de faire le portrait de ce gros dégueulasse-là, d'aller plus dans le détail de ce que tu as dit, pour expliquer pourquoi il faut lui enlever. Mais tout d'abord, permets-moi, moi, je veux le faire à chaque occasion. Il faut saluer le travail des journalistes d'enquête d'ici et d'ailleurs, parce que sans leur travail, l'omerta se serait maintenue autour de ce gros dégueulasse. Ce prédateur sexuel aurait continué de sévir, continué de ruiner la vie de combien de femmes de plus? Et pour faire son portrait, je vais prendre deux médias, les révélations de Mediapart et l'émission de complément d'enquête où on a vu cet extrait-là. Mediapart divulguait en avril dernier que 13 femmes avaient accusé Depardieu d'harcèlement, certaines d'avoir subi des attouchements ou agressé sexuellement. Avant les révélations de Mediapart, des femmes avaient tenté de faire connaître ce côté sombre du personnage, et ça avait fait grand bruit, souviens-toi, en 2018, Paul. Mm-hmm. Et tu vas t'en rappeler, il s'est trouvé à ce moment-là des dizaines de femmes, dont Catherine Deneuve, pour défendre dans une lettre ouverte la liberté d'importuner. Elle disait des hommes dans la lettre qui ont eu pour seul tort d'avoir touché un genou, tenté de voler un baiser, parler de choses intimes lors d'un dîner professionnel ou d'avoir envoyé des messages à connotation sexuelle. Ça, là, c'est des femmes, en 2018, ces signataires qui ont pointé les victimes, qui ont préféré dire à des victimes de se la fermer, ou pire encore, d'endurer la liberté d'importuner. Et malgré les manifestations, si vous allez vous en souvenir, du mouvement Balance ton porc, bien, c'est comme si le spot public a été enlevé sur Gérard Depardieu. Alors, parlons maintenant des révélations de l'émission Complément d'enquête qui a présenté cette vidéo qui a tournée il y a 5 ans. Au point de départ, il faut se rappeler que ça devait être un documentaire tourné par l'écrivain et polémiste Yann Moix, mais devant le comportement de Depardieu, le documentaire n'a jamais abouti. Et là, je vais vous le dire tout de suite, je suis désolée, mais je vais prononcer des paroles indignes, mais elles sont celles du gros monocle cochon Depardieu, et si je voulais dire en créole, ou saloperie Depardieu. Lors de la visite dont tu as parlé en Corée du Nord, il parle des femmes en les traitant, c'est des grosses salopes. Il parle constamment de chats, de clitos. Puis tu l'as dit même en parlant d'une petite fille qui fait de l'équitation. Alors, finalement, au moins après la diffusion de ce numéro complément d'enquête, ça bouge. Il y a des langues qui se délient. Enfin, enfin! Et je voulais reprendre les propos de la comédienne Annaud Greenberg qui dit... Il n'a pas attendu d'être en Corée du Nord pour être aussi vulgaire, grossier, aussi agressif envers les femmes. Et elle poursuit en disant, il est comme ça parce que tout le monde lui permet d'être comme ça. Alors, une fois de plus, ses propos mettent en lumière une certaine complicité collective, le fait que les victimes ne se sentent pas toujours accueillies et crues. Puis ça veut dire que la tolérance zéro, on a encore bien du chemin à faire. Mais il y a aussi des hommes qui ont pris acte. Puis on a vu en France, certains réalisateurs refusent dorénavant de travailler avec Depardieu. Parce que, dit-il, son comportement est contre leurs valeurs et que ce n'est plus possible de fermer les yeux. Ils sont pour le moment peu nombreux, mais je me dis que c'est quand même un début. Puis il y en a, ça veut dire qu'il y en a qui ont compris qu'ils ont une certaine responsabilité et qu'ils ne peuvent plus cautionner un comédien
qui se permet de mettre la main dans les petites culottes des comédiennes, des maquilleuses ou des autres femmes qui travaillent sur leur plateau de tournage. Alors, finalement, Depardieu, de monstre sacré du cinéma français, on découvre juste que c'est un sacré, répugnant monstre comme Harvey Weinstein. Puis moi, là, ça doit paraître depuis le début, Paul, je n'ai aucune, mais aucune sympathie pour des prédateurs qui se croient tout permis, intouchables, parce qu'ils sont au sommet de la gloire. Plus que ça, ils me lèvent le cœur, ils ne m'inspirent que du dégoût. Tout comme il y a eu un avant et un après, moi aussi, MeToo, j'espère qu'il y aura un avant et un après Depardieu pour finir de faire le ménage au sein du cinéma français. Mais je suis encouragée parce que cette nouvelle génération de jeunes femmes qui hésitent moins à briser le silence, qui hésitent, qui foncent et vont dénoncer. Mm-hmm. Et là, je termine en faisant appel au premier ministre, M. François Legault. Monsieur le premier ministre, on sait que pour vous, l'égalité homme-femme est une valeur que vous chérissez, tout comme le respect du corps des femmes. Alors, comme tu l'as rappelé, Paul, Depardieu a reçu l'Ordre national du Québec il y a plusieurs années. Mm-hmm. On a fouillé. J'ai trouvé dans les règles, là, il est prévu que la radiation de l'Ordre peut intervenir comme sanction ultime en cas d'inconduite notoire ou de faute grave. Cette radiation qui entraîne le retrait de la décoration est à l'initiative du premier ministre du Québec. Il m'apparaît que le prédateur sexuel Depardieu coche toutes les cases pour que vous lui retiriez cet honneur en cohérence avec les valeurs que vous défendez, M. Legault, et auxquelles nous adhérons. Faites-le.